Alors, voici donc le numéro 25, Cognillon. Donc, on reste sur une séquence germanique, puisqu'ici, nous avons un fils de Akatenango. La mère, en fait, c'est une souche purement irlandaise, hein, au niveau de la mère, parce qu'elle est une fille de Spectrum, elle s'appelle Castilla. Lui a été un cheval de groupe 1, placé de groupe 1 à plusieurs reprises. Un cousin de Loxandra, hein, la fameuse Loxandra, la mère de Keltos et tant d'autres, Loxias, Kratayos et tant d'autres de bons chevaux. Alors, Cognillon, il n'a saillé qu'une toute petite poignée de juments en début de carrière, et malgré cela, il a donné un cheval que vous avez vu dans la course de référence, Dormelomo, qui a été un excellent compétiteur en Angleterre. 6 victoires en Angleterre, il a été exporté en Australie. Et donc la course que vous avez vue, c'était le grand steeple d'Australie à Castleton, et il a gagné en pulvérisant les adversaires. Il n'y avait qu'un seul poursuivant qui arrivait à le suivre, et encore de très loin. Cognillon, alors il a commencé sa carrière en France, dans un haras mayennais dont je tairai le nom, là même pour charité chrétienne. En plus, il est disparu après en Allemagne, après il est revenu en France. Il a fait la monte une saison au haras du Chêne Vert, et il fait maintenant la monte au haras de Vince, car Adrien Delaroque a été convaincu par le profil de ce Cognillon, qui est un magnifique cheval d'1m67.